Mesdames, Messieurs, bonjour. Chers collègues, bonjour. Mon propos va être extrêmement redondant avec les précédents, donc je vais essayer de faire court, puisque je sais que le planning de la journée est très intense. En tout premier lieu, je voudrais vous dire un petit mot de la part de Monsieur le recteur et de Monsieur l'inspecteur d'Académie, qui ne pouvaient être présents aujourd'hui, qui m'ont prié de les excuser, et de vous dire tout l'intérêt qu'ils portent à cette manifestation, la 10e cette année, et qui nous permet tous les ans de revisiter l'état des lieux des usages du numérique, de confronter ou de faire un état de nos pratiques partenariales, puisque comme le disait Monsieur le Président, effectivement, quand on parle du numérique, que ce soit sur la partie équipement ou sur la partie des usages, nous sommes toujours sur du collaboratif et du partenarial. Excusez-moi, je dois reprendre mes notes, une petite émotion. Je voulais aussi, dans un premier temps, remercier Monsieur le Président du Conseil départemental qui organise ces journées, de nous permettre d'assister à des conférences toujours de très haut niveau et qui nous permettent de nous ressourcer et de rebooster, pour employer un mot peut-être moderne, nos pratiques, notre envie et nos usages. Je vais, quant à moi, me recentrer sur ce qui est un peu notre cœur du métier, c'est-à-dire ce qui est la formation. C'est-à-dire effectivement l'accompagnement des usages du numérique. Nous le travaillons en fait sur deux axes. Un premier axe qui est l'équipement, puisque une des particularités du numérique, c'est qu'effectivement, sans outils, sans matériel, sans accès, il n'existe rien. Donc sur cet aspect-là, nous travaillons très très facilement et de manière aujourd'hui bien installée avec le conseil départemental, mais également pour ce qui est des écoles, avec l'association des maires et des collectivités territoriales, qui, je pense, sont dans la salle et sont représentées aujourd'hui. Et bien entendu, nous réfléchissons avec eux sur ce qui est un équipement efficace qui répond aux besoins des écoles et effectivement qui va s'intégrer du mieux possible dans les usages des enseignants. Nous avons un deuxième volet sur lequel nous travaillons. Et celui-là, nous l'avons vraiment investi de manière très, très volontariste depuis quelques années, c'est la formation des enseignants. Nous avons donc un certain nombre de journées dédiées à cette problématique particulière, mais nous avons aussi un autre axe que peut-être nous investissons de manière plus systématique aujourd'hui, c'est l'accompagnement des équipes sur site, qui est souvent corrélé à un équipement. Donc nous faisons une première partie qui est l'accompagnement sur la partie technique, l'appropriation, et tout de suite après, nous orientons vers effectivement des pratiques pédagogiques et des usages. À ce propos, je dois souligner ici la présence de Monsieur le directeur académique, Monsieur le délégué académique à la formation, Monsieur l'accueil, Monsieur le délégué académique à l'innovation, je cherche le Monsieur Carty. Monsieur Mourier, et je crois qu'il y a aussi le délégué académique adjoint dans le premier degré. Tout ça pour vous dire qu'effectivement, pour nous, les degrés de pilotage sont différents. Nous avons des recommandations ministérielles, une déclinaison académique, et nous sommes toujours sur un travail collaboratif de manière à fédérer et à faire en sorte que toutes nos forces se potentialisent. Je crois que si on a bien écouté le propos de Monsieur le Président, on a vu que ça fonctionne, puisqu'effectivement, nous sommes aujourd'hui sur des constats communs, d'une collaboration bien installée et, je crois, d'un certain nombre de réussites. J'ai regardé attentivement les ateliers qui sont proposés cet après-midi et j'ai remarqué que tous les degrés de l'enseignement, depuis la maternelle jusqu'au lycée, sont représentés. Tous les champs disciplinaires sont représentés. Donc, je pense que c'est une réussite puisqu'effectivement, nous réfléchissons en termes de parcours d'élèves et qu'effectivement, il est important de commencer le plus tôt possible en ajustant les pratiques pour aller le plus loin possible, pour aboutir à la fin à avoir effectivement des individus tout à fait adaptés aux usages du numérique dans la société, ce qui est une des finalités. Je vais faire une incise pour remercier les enseignants référents aux usages du numérique du premier degré. Ce sont des enseignants qui ont une valence numérique. En résumé, ça fait erreur, mais c'est extrêmement étonnant. Ils sont tous là aujourd'hui. Et en fait, ce sont des collaborateurs précieux sur le premier degré, puisqu'ils ont une compétence technique, mais surtout, de plus en plus, ils ont une compétence pédagogique. Ils sont l'interface entre
les écoles, les mairies, en s'appuyant bien sûr sur les directeurs d'école pour être des conseillers sur les équipements. Mais ils sont aussi des conseillers auprès des écoles et des enseignants pour ce qui est de l'utilisation et des usages, puisque désormais, nous avançons sur ces deux axes systématiquement. Ils sont au nombre de 13, plus une conseillère départementale. Il n'y a qu'une chose que je déplore, c'est que nous n'avons que 2 filles sur 14 enseignants numériques. Et je pense que c'est un signe sur lequel nous devons aussi travailler, parce que c'est vrai que les approches sont intéressantes et complémentaires. Je voulais peut-être... excusez-moi, j'ai besoin moi, de reprendre mes notes. Et de n'oublier personne. Terminer peut-être par une anecdote, pour ne pas faire trop long. Puisqu'effectivement, je pense que parfois, à regarder le passé, on peut tracer des perspectives pour l'avenir. Et je voulais vous parler de mon passé à moi et vous donner une anecdote qui me fait réfléchir sur les questions que nous avons aujourd'hui. Quand j'ai appris à lire il y a très très longtemps, à l'école primaire, une classe multiniveau avec une enseignante qui passait d'une classe à l'autre et qui devait nous autonomiser. Elle m'a dit un jour, quand tu as fini ton travail, si c'est bien terminé, tu peux lire. Ce qui m'a appris à lire, à travailler très très vite, assez bien, et surtout à dégager du temps pour aller au coin bibliothèque lire. Et il se trouve que quand je revenais chez moi, et quand ma mère me voyait lire, systématiquement, elle me demandait de faire autre chose, parce qu'elle estimait qu'une fille, ça doit aussi savoir faire d'autres choses, et entre autres, l'aider. L'aider à faire un certain nombre de choses. Pourquoi je vous dis cela ? Parce que je pense que cela a forgé en moi une résistance. Parce que je trouvais effectivement qu'il était pour moi très important de lire et que l'utile de ma mère n'était pas forcément le mien et le futile de ma mère n'était pas le mien. Je pense que j'ai été soutenue dans cette volonté, ce désir d'aller vers la connaissance, la lecture, parce qu'effectivement, j'avais conscience que c'était les attendus de l'école et qu'il y avait une alliance entre les attentes de mes parents par rapport à l'école qui pensaient que c'était très important, l'école qui avait cette volonté farouche de nous émanciper à l'époque à travers la lecture et la littérature. Voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, quand je réfléchis sur le numérique, peut-être qu'on se pose aussi les mêmes questions. Alors, je pense qu'il y a de la place pour tous la lecture, les outils numériques, toute chose à sa place. Le tout, c'est d'y trouver la bonne place et qu'elle concourt effectivement à l'émancipation de chaque élève. Un dernier point, nous avons, j'avais dit que j'allais conclure, mais je voudrais dire que nous avons quand même un ou deux points à travailler en partenariat encore. C'est terminer le maillage du territoire en termes d'équipement, pour que chaque élève, où qu'il se trouve dans le département, puisse avoir le même accès au numérique et aux usages du numérique, et éduquer la communauté éducative, à savoir les cadres de l'éducation nationale. Je pense qu'il faudrait, dans les écoles, élargir cette acculturation aux parents d'élèves et à toutes les personnes qui travaillent à l'école. Donc là, moi je considère que nous avons deux axes de travail qui viennent en complément de ce que sont les usages pédagogiques ou didactiques ou disciplinaires dans les écoles. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une excellente journée.